Aïe, 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 aïe. Bonjour, bonjour, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Allez m'appeler la chèvre du Canada. Allez m'appeler cette femme qui n'a pas de personnalité. Allez m'appeler cette femme qui marche avec son ventre. Vous savez, le silence n'est pas un synonyme de peur. Le silence n'est pas un synonyme de peur. Vous voyez, parfois, quand on décide de ne pas répondre aux attaques des femmes malheureuses au quotidien, c'est pour une seule raison. C'est parce que nous, on a eu la chance d'avoir une vie de famille. On a des enfants aimants, on a des hommes qui nous aiment. OK? On a des hommes qui nous aiment, on a des familles, on a des familles qui nous respectent. On a encore de la dignité. C'est pour ça qu'on décide de ne pas venir répondre aux attaques d'une femme que le monde entier peut témoigner de sa souffrance interne. Le monde entier peut témoigner de sa vie triste, de sa vie vide. Nathalie Babalé, alias la chèvre du Canada, alias Magdaloi, ce matin, je vais t'accorder 30 minutes avant d'aller à ma banque. Sortir de l'argent, débloquer un de mes comptes pour permettre au chèque de mon médecin de passer. Je vais t'accorder 30 minutes. Parce que tes inepties que tu viens raconter sur les gens-là, moi, je n'ai pas voulu te répondre. Parce que tu es déprimante. Parce que tu es une femme qui souffre. Tu es la femme avec le plus de poches qui existe dans la vie. Ça veut dire que la quantité de décennies sur ton visage détermine tes nuits sans sommeil. Partagez le direct, s'il vous plaît. Maman, hein? Partagez le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est-à-dire que Nathalie Babalé, je ne vais pas crier pour te parler aujourd'hui. Magdaloi, la chèvre du Canada, une femme qui peut être le chinda d'une femme. Merde, comment vous faites? Je ne vais pas crier. Je suis convalescente. La beauté, la paisibilité se lit sur mon visage. OK? Vos conneries que vous lancez souvent les directs, vous vociférez des inepties sur les gens-là. Je vais te demander, je vais te lancer deux défis. Nathalie Babalé, je vais te faire plaisir de me connecter sur mes comptes bancaires. Aujourd'hui, je vais faire ce qu'on ne doit pas faire pour te montrer que moi, je ne suis pas ta camarade. Je vais me connecter en direct sur mes comptes bancaires et les comptes bancaires de mes enfants. Et je vais te lancer le même défi que avant de venir t'asseoir et ouvrir ton bec pour parler de moi. Connecte-toi sur ton espace bancaire. Montre tes comptes et les comptes de tes enfants, et montre les revenus, montre comment ces comptes sont crédités. OK? Tu montes ton patrimoine avant de venir t'asseoir sur Facebook
placer ton téléphone et me parler. Nathalie Babalé, tu vas te connecter comme je suis en train de faire là. Et tu vas montrer ton patrimoine aux Camerounais. Les maisons que vous partez derrière Toronto ou dans les villages pour prendre à... pour prendre à 50 000 dollars. Avant de venir te me parler, je vais t'inviter à te connecter. Parce que moi, mon patrimoine, c'est dans mes comptes. Je n'ai pas un investissement immobilier en France. Donc, mon patrimoine, c'est dans les placements et c'est dans les comptes de mes enfants. Je n'ai pas, j'ai pas souvent l'habitude, j'aime pas faire ce genre de choses. Parce que les gens pensent que, quand ils parlent, les gens pensent que, quand, ça dit, il faut prouver. Je ne suis pas du genre à faire ce genre de choses. Je vous dis encore sur Facebook, ici, il n'y a pas la fille qui a ma garde-robe. Je vous le dis tous les jours. J'ai posté seulement une vidéo de mes chaussures. Nathalie Paribari, tu parles de qui? Tu dis à qui? Montre, tu dis que qui vend le piment. C'est tout. C'est normal. Au Cameroun, ça dit que voilà une communauté où que quand on n'a rien à dire sur toi, on dit que tu vends le piment. Mais Nathalie Babalé, regarde-moi ma chérie. Même si je veux vendre le piment, Nathalie Babalé, es-tu ma mère? Moi, je ne comprends pas. Je veux que vous... Je ne sais pas. Moi, si je veux me prostituer aujourd'hui, je veux me prostituer. Si je veux le faire, je veux le faire dignement. Nathalie Babalé, si moi, j'ai la chance, j'ai la beauté qui peut me permettre de me prostituer. Mais tu n'as pas cette chance-là. Tu ne l'as pas eu jeune, tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas. Si je vais me prostituer, vous croyez que... Vous savez quoi? J'ai perdu ma mère très tôt. La seule personne que je pouvais avoir du recul, que la personne qui pouvait dire, ouais, si elle apprend que je suis en train de faire telle chose, ça va lui faire mal, c'est ma mère. J'aimais ma mère d'un amour incommensurable. J'aimais ma mère d'une façon où j'ai compris après longtemps que je ne devais pas m'accrocher sur les femmes plus âgées que moi en cherchant l'affection. En cherchant l'affection chez ces femmes-là. J'ai compris qu'une maman, elle est unique. Quand tu la perds, tu l'as perdue. Je l'ai compris il y a longtemps. Sinon, beaucoup de femmes m'ont blessée parce que derrière cette femme-là, je cherchais l'affection d'une maman. Y compris même la grand-mère de mon fils. Parce que derrière cette femme, je cherchais l'affection d'une maman. Nathalie Babalé, si moi je vais me prostituer, je vais le faire avec bravoure. Mon Nathalie Babalé, j'habite dans le 16e. Nathalie Babalé, j'ai qu'à déposer les enfants. Contrairement à toi qui dis que le dépôt, il vient vendre le piment. Il ne vend pas, il ne peut pas vendre la quantité de piment là. Je ne peux pas vendre la quantité. Je dépose, je m'en vais prendre un café. Je suis entourée des grands... Regarde, le Murat ici. Brasserie d'Auteuil, la brasserie des stars, c'est ici. Je m'en vais m'asseoir là-bas et prendre un café. Bien habillée, je croise mes pieds. Je sais que je ne veux pas sortir de là sans un client. Je sais que je ne veux pas sortir de là sans un client. Parce que vous êtes que quand vous ne connaissez pas la vie, tu es venu à Paris, tu as tout fait pour me voir. Je t'ai dit que maman, le père n'est pas là, le père allait voir sa mère, donc j'ai les enfants à la maison, il ne peut pas sortir. Parce que moi, je suis une personne rare. Je ne m'affiche pas avec n'importe qui. Je ne m'affiche pas avec n'importe qui. Nathan Baban, montre-nous ta dernière fiche de paye. Montre-nous une fiche de paye. Montre-nous une seule fiche de paye. Toi qui viens t'asseoir sur Facebook, tu traites les femmes de prostituées. Tous les mois, Nathalie Babalé, j'ai 2280 euros qui est versé par la sécu. Tous les 15 jours, j'ai 180. J'ai 1100 et poussière qui est versé par la sécu tous les 15 jours. Parce que j'ai un contrat de travail et je suis en accident de travail. Donc je suis payé pour prendre soin de moi.
Ok, Nathalie Babalé. J'ai dit tous les fins du mois, j'ai un salaire de 2280 euros qui m'est versé par la Sécu. Nathalie Babalé, quand on voit, on te voit, tu reflètes la tristesse, tu reflètes la misère, tu reflètes la souffrance. Tu n'as pas connu l'amour. Nathalie Babalé, montre ton téléphone. Montre-nous le dernier message que ton mari t'a envoyé. Une femme qui jouit bien. Une femme qui... Les jouissances, c'est important. Les jouissances, c'est important dans la vie d'une vieille femme. À partir de 40 ans, moi je suis à la porte de 40 ans, une femme doit jouir au moins 3 fois, 4 fois par semaine. Et pour jouir, il faut bien, il faut être avec le bon homme. Nathalie, ton visage montre, nous montre à quand remonte ta dernière date de jouissance. J'ai dit que ton visage nous détermine à quand remonte ta dernière fois où tu as pris un bon orgasme. Nathalie Babalé, regarde la beauté, regarde une femme. Même quand on dit qu'on est noir, on a un teint propre, regarde. Les poches de ton visage nous indiquent à quand remonte ta dernière nuit de sommeil paisible. Ta dernière nuit de sommeil paisible, tu ne sais pas insulter. Elan, Ewon, Elan, je n'ai pas besoin de crier pour te parler. Je ne vais pas te... Ça veut dire que je te dis la vérité. Tu es une femme malheureuse. Le monde entier en témoigne. Tu t'es acharnée. J'ai voulu intervenir dans le direct de Flore et ne m'a pas laissé la possibilité de le faire. Je vais refaire le passage de Flore ici. Pendant 4 ans, tu t'es enchaînée sur la vie. Qui est la personne qui peut mériter autant mon attention? Une femme bénie. Tu parles de mes enfants. Les enfants que Dieu a moulinés. Dieu a... Ça seulement, où Nzengou l'a le 25 novembre. Dieu a mouliné la tête, mouliné le nez, mouliné tout. Il m'a envoyé, dit que écartez les pieds. Il a envoyé, ils sont venus au monde. Mes enfants, c'est les enfants bénis. Nathalie, je suis sûre que l'argent que Maëlle a dans son compte dépasse tout. Ça dépasse tout ton patrimoine. Je suis sûre que le compte d'épargne et les assurances vie de Maëlle dépasse tout ton patrimoine. Tu viens pas te placer, tu insultes qui? Moi, je suis dans votre merde là. Je suis dans vos bêtises là. J'ai cru que je pouvais vous apprendre à ce que chacun reste dans son coin. J'ai passé la vie. Même Flore qui parle là. Toi qui reproches à Lolo de ne pas écouter. Toi-même tu écoutes. Combien de fois je t'ai parlé. J'ai dit ne calcule plus Lolo. Je passe chez Lolo. J'ai dit ne calcule plus Flore. Ne vous calculez plus. Chacun fait son bloc. Vous avez écouté? Parce que vous voulez tout tirer les gens pour venir ramener dans vos problèmes. Vous voulez tout ramener les contemporains dans vos problèmes. Moi, je suis dans tes bêtises là. Une femme intelligente comme moi. Une femme smart woman like me. Am I your mate? Why will you call my name? Why a salt lady like you? Why will you call my name? Tu me prononces dans quoi? Tu me prononces dans quoi? Ma chérie, je t'ai dit que si je vais me prostituer, vous avez vu le comportement de Natacha de Monaco, c'est moi exactement. Mounaouaou, les Ewondo disaient, Mounaouaou, celui qui va mourir, va mourir. Je suis comme Natacha. Si je vais me... N'est-ce pas, je suis en train de faire mon corps. Laissez. Laissez. Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous êtes pressé? Je n'ai même pas encore fini de maigrir pour encore aller remettre les tétés en haut comme ça. Vous êtes déjà en train de gesticuler.
Je n'ai même pas fini de faire mes séances de détatouage. Vous êtes en train de... Vous allez suivre ici sur Facebook. Est-ce que vous allez suivre? Parce que je suis une femme. Hein? Parce que moi, je suis une femme et une vraie. Je suis une vraie femme. Hein? Quand je vais, j'ai posé mes fesses à la maison ici, c'était pour élever les enfants. Hein? Michishiban, bonjour. J'ai posé mes fesses ici à la maison. C'était pour élever mes enfants. Hein? Sinon, vous ne m'aurez jamais connu sur Facebook. J'ai fait quoi sur Facebook? When guys are, things are happening in the world. Qu'est-ce que je serai en train de perdre mon temps ici? Pourtant que les vraies filles sont en train de voyager Abuja, Sud-Amérique. Les vraies filles ne sont pas sur Facebook. Hein? Les vraies filles ne sont pas sur Facebook. Moi, à l'époque, j'ai connu la vie tôt, ma chérie. C'est dans les marches que j'ai trouvé l'homme qui m'a épousé, l'Italien qui m'a épousé. C'est dans les voyages. Dubaï que vous partez ici. Dubaï que vous partez ici. Nous, on est... Ma copine Lélé ou Nikaise Lélé. On, Dubaï, c'est Dubaï qui est devenu la mode. Nous, on est partis en Dubaï dans les années 2006. Accompagnés des hommes. Ma Daloua. Ce n'est pas moi, c'est un homme. J'ai parlé, comment Chama, moi, dis-toi, dis-moi, dis-toi, dis-moi, dis-toi, dis. Un blanc a quitté son pays pour venir m'épouser en Afrique. J'ai dit que seulement dans le toi, dis-moi, dis, les échanges, un blanc a quitté son pays, il est venu m'épouser en Afrique. I have a church. I'm cute. Je suis belle, je suis élégante. Et en plus de ça, comment le mot en français? Oh, quelqu'un qui est comique là, comment ça se dit? Comment ça se dit en français, le mot me perd. Avec moi, au cœur, on ne s'ennuie pas. Avec moi, on ne s'ennuie pas. Oh là 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 là, comment ça se dit? Oh, c'est un truc. J'ai ce truc en plus que quand un homme est avec moi, je pète le bonheur. Je respire le bonheur. J'ai de l'humour, merci, Michiban. Je suis drôle, voilà le mot. Je suis drôle. Avec moi, les hommes ne vivent pas. Avec moi, il n'y a pas de routine. Je suis drôle, ma chérie. Avec moi, il n'y a pas de routine. Je suis naturelle. Je suis naturelle, je suis drôle. Avec moi, il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas d'ennui. Madaloua, c'est vous. Vous traumatisez les enfants des gens. Comment vous-même, je vous prends à témoin, vous qui êtes connectés aujourd'hui. Why? Pourquoi vous voulez que l'enfant de quelqu'un se réveille le matin, tourne son visage et voit la qualité du visage là? Qui peut supporter? Est-ce que ce que vous conseillez, vous dites au mari de mettre la loi de rentrer, vous pouvez supporter ça? Te réveiller le matin, voir une femme avec les cernes qui descendent jusqu'à la bouche, au lieu de faire les soins naturels anti-cernes, elle vient s'asseoir sur Facebook pour insulter les gens. Mais Daloua, je te donne un conseil. Prends un bon fruit de tomate. Il faut prendre une belle tomate bien juteuse. Tu te réveilles le matin. Le temps que tu vas te lever pour venir insulter les gens que tu n'atteins pas. Parce que tu as acheté un congélateur, un frigo que tu as placé dans une cuisine qui est en chantier depuis le temps de Marie Ougnobé. Le Cameroun était encore gouverné par la France. Tu as acheté un frigo. Moi, j'ai acheté mon frigo LCL en 2014. Je l'ai acheté 2500 euros en 2014. Derrière, pour moi, là, il y a eu celui que Nadège Mbapa a, qui a un mini-bar. Et après, c'est celui avec l'écran. Un frigo bout. Andaï, Ndaï, Ndaïel, mon frigo.
Les Bouddhas disent que d'ailleurs le manano frigo. Ma chérie. D'ailleurs le manano frigo. C'est quelle qualité de frigo que tout le monde doit passer dessus? C'est quel frigo? Une femme qui est dans une, tu mets un plan de travail, les plans, ton plan de travail là, on le vend sur ses discounts, le plan de travail là, ce n'est même pas 300 euros. Ton plan de travail. Ma cuisine complète là, je l'ai fait en 2015. J'ai changé le plan de travail noir là. Ceux qui me suivent le savent. Moi, je change les meubles une fois par an chez moi. Mais la loi a une maison qui est en chantier, right from the beginning. Mais la loi, tu as acheté l'appartement en Toronto. Est-ce que tu vis? Continue. Tu as acheté l'appartement à Toronto. Les gens qui vivent au Canada là, dites-moi si la femme là a un appartement à Toronto. Parce que voilà mon rêve. Mon rêve, c'est d'acheter un appartement dans le 16e. Je ne veux pas les maisons, les pavillons, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis une Parisienne, right from the beginning. Je veux un bel appartement dans un immeuble haussmannien avec le parquet et le moulure. Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Je ne veux pas qu'on suit au Cameroun. Même la tombe de ma mère. Je ne veux même pas construire. À Montréal, là, Montréal, qui connaît les villes de Montréal, les quartiers de Montréal, est-ce qu'elle a acheté une maison dans un quartier UP de Montréal? Dites-moi, répondez-moi. Est-ce qu'elle a acheté une maison dans un quartier UP de Montréal? Où moi je suis ici, je quitterai ici, dans cette petite, dans mon appartement de 59 mètres carrés ici, pour mettre la clé dans un appartement du 16e acheté. Acheté! Et c'est pas n'importe quel, hein? Parce que vous là, vous ne connaissez même pas mes goûts. Parce que vous partez, la vente de piments, si je me lance dans une vente de piments, là, ce n'est pas une vente de petits piments, hein. Vous ne me verrez plus sur Facebook. Je serai entre deux avions pour partir. Je ne veux pas n'importe. J'ai bien précisé. Je veux un minimum 150 mètres carrés dans un immeuble haussmannien avec parquet moulu. Retenez-le! Même si un immeuble nouvelle construction vient de se planter dans le 16e, ça ne m'intéresse pas. Hein? Oh, oh. Hey, Chundalier, ouais, quand Dieu t'élève et que tu décides de venir te remettre au pied des moins que rien, ça donne ce que je suis en train de faire sur Facebook. When God bless you, quand Dieu te donne un niveau, quand tu as été habitué à un niveau, je sors, je suis sur Facebook pour faire quoi? Je suis sur Facebook pour faire quoi? Jusqu'à une femme dépressive à l'âge de ma mère vient s'asseoir pour m'insulter. Mais Daloa, mon ventre est propre. Tu as vu la qualité de garçon qui sort dans mon ventre? Est-ce que tu as vu la qualité de garçon qui sort dans mon ventre? J'accouche les beaux gosses. Mais Daloa, la maman des beaux gosses dont tu mentionnes, je ne me suis pas auto-nommée la maman des beaux gosses. Hein. C'est la maternité où j'accouche. C'est la maternité où j'accouche. C'est les infirmières qui prennent les enfants là quand je sors de mes fesses. Ce sont elles qui ont décidé de me nommer la maman des beaux gosses. Mais Daloa, quand je pars accoucher à la maternité, tous les matins, les infirmières veulent venir voir comment j'ai habillé mes enfants. J'ai dit tous les matins quand j'accouche à la maternité. Tous les matins. Si je veux, mets la loi, mets la collection des photos de naissance de tes enfants.
Je mets la collection des photos de naissance de mes enfants jusqu'à aujourd'hui. Mais d'ailleurs, mes enfants ne mettent pas des vêtements avec des tissus qui peuvent créer des allergies sur leur peau. Mes enfants ne mettent pas n'importe quoi. Manger, mes enfants ne mangent pas n'importe quoi. Mais d'ailleurs, tu es parti arrêter un homme par force pour le ramener en France. La Zaché pouvait te tuer. Tu es la fille parentée la plus laide. Je ne sais pas de quel coin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière Baranté, qui veulent s'autoproclamer Baranté. Sinon, je parle, je vous prends à témoin, vous connaissez la beauté des filles Baranté. Ce n'est pas un débat. Tu es la fille Baranté la plus laide que j'ai connue de ma vie. Tu es la fille la Baranté la plus moche. Parce que je vais vous dire, il faut que je vous explique. Parce que il y a nuance. Il faut que je vous géolocalise. Je vous donne la situation géographique du département, le Ndé, qui est défini bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur moi, le département de la noblesse, de la dignité et de l'élégance. Il faut que je vous donne la situation géographique afin que vous puissiez trouver un coin pour expulser cette merde à loi qui s'autoproclame femme Baranté. Moi, je suis une fille Bangoula. Je suis une digne et noble fille Bangoula. Je suis de la chefferie Bangoula. Bangoula, c'est un petit village proche au centre, parce que la capitale, on va dire ça comme ça, le chef-lieu du département du Ndé, c'est Baranté. Hein? C'est ça, non? Le chef-lieu du département du Ndé, c'est Baranté. Baranté, le centre. Baranté, c'est le centre. C'est le centre. Parce que je vais vous démontrer ici que Mère Daloa, ce n'est pas une Baranté. Parce que de mon vivant, de ma naissance, j'ai vécu à Baranté. J'ai fait des vacances à Baranté. Je n'ai jamais vu une fille Baranté aussi laide. Ma moumou, ma yoyo, doudou, mamou, nyonyo, il chante. Mayel, viens me donner une bouteille d'eau s'il te plaît, chérie. Ah ben c'est bon, je l'ai. Baranté, je vais vous donner la géolocalisation, la situation géographique de Baranté. Et vous-même, vous allez décider de quel côté vous allez placer Mère Daloa. Pour ceux qui ne connaissent pas, permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de vous définir le département auquel j'appartiens dans le Cameroun. Je suis issu d'un département qui se nomme le Ndé. Un département de l'ouest du Cameroun qui se nomme le Ndé. Vous savez, l'ouest est vaste. L'ouest, quand vous entendez, on nous dit, on nous appelle, moi on m'appelle Bamileke, Flore on appelle Bamileke, on appelle plein d'autres filles Bamileke. Les Bamileke, c'est l'ouest du Cameroun. À l'ouest du Cameroun, vous avez les Bamileke. Les Bamileke, c'est une communauté qui est divisée en plusieurs départements. Plusieurs départements ou plusieurs... oui, plusieurs départements. Et moi, j'appartiens au département du Ndé. J'appartiens au département du Ndé. Ça s'appelle, ça s'écrit N-D-E. Ndé. Et comme on a l'habitude affectueusement de le définir comme étant la noblesse, nous, les fils du Ndé, nous devons refléter ce département en étant noble, digne et élégant.
Le Cameroun tout entier reconnaît l'histoire. Merci Olivia Objectif. C'est divisé en plusieurs arrondissements. Non, il y a d'abord les départements, après les arrondissements. L'Inde a sa réputation pour abriter, pas son abritation, des nobles, des dignes, des gens qui se vendent, des gens qui sont fiers. Non seulement l'homme camerounais est fier d'être camerounais, mais le fils d'Inde est fier d'être un noble fils d'Inde. C'est les gens qui se vendent, c'est les gens qui sont fiers. Ok, ce sont les départements, ok. Donc moi j'appartiens donc à ce fameux département d'Inde. C'est les travaux de quoi que les gens se viennent faire ici aujourd'hui. Raison pour laquelle, et dans le département d'Inde qui a pour chef lieu Bangaté, on a des petits villages. On a des petits villages. Moi j'appartiens directement au petit village qui s'appelle Bangoula. Voilà, le département a pour arrondissement le Ndé, voilà. Moi, j'appartiens au petit. Maintenant, dans l'arrondissement du Ndé, là, il y a maintenant plein de petits Nyama Nyama villages. Et moi, j'appartiens donc au village qui s'appelle Bangoula. Là encore, non seulement les gens sont d'abord du Ndé, ils sont nobles et fiers. Et les Bangoulap encore, la vantadise les appelle grands frères. L'Inde a 13 villages. Bangante, Bangoulap, Basamba, Balengu, Bashingu, Tonga, Bazou, etc. Oui. Gloria Louise, je voudrais que tu me dises exactement. La reine, la mère d'Aloi, elle appartient à quel village? Parce que de mon vivant, je n'ai jamais vu une femme Bangante aussi laide. Je n'ai jamais vu une fille Bangante aussi laide. Mère d'Aloi, tu m'avais insulté que je faisais le Njansan. Aujourd'hui, j'ai laissé le Njansan, j'ai récupéré mon teint. Mais est-ce qu'en termes de teint, tu peux parler? Est-ce que en termes de teint, Mère d'Aloi, tu peux parler avec moi? Voilà mon teint sans filtre. Est-ce que après avoir laissé le Jansan et d'être revenu au nature, de te rejoindre dans le naturel? Est-ce que ton teint peut parler mon teint? Mon teint parle de lui-même. Banekan, est-ce que Banekan? Non. Jamais. La femme là ne peut pas être du centre de Bangaté. Jamais de la vie. Alors si elle prétend être Bangaté, elle n'a qu'à demander à sa mère qui est son père. Parce que je n'ai jamais vu une femme Bangaté aussi laide. Il y a une chose pour laquelle tout le monde est témoin. Les femmes Bangaté, c'est les filles fières. Une fille Bangaté n'est jamais une Tinda. Si je manque, pointé. Une fille Bangaté n'a jamais été une Tinda. C'est pourquoi les filles Bangaté, entre elles, elles ne s'entendent pas, elles clashent. Parce que c'est chacun qui veut avoir le bâton de commandement. Les filles Bangaté ne sont pas les Tinda. C'est les filles qui ont le caractère. C'est les filles que elles sont le devant. Elles ne sont jamais la queue. Ouais. Si vous avez déjà vu une fille Bangaté Tinda à part Mère d'Aloi, dites-moi. Est-ce que vous avez déjà vu une fille Bangaté à part Mère d'Aloi? Mère d'Aloi, c'est la seule Tinda Bangaté que j'ai vue de ma vie. Je vous dis, c'est dans le caractère. Les filles Bangaté, c'est les filles qui ont le caractère.
ce n'est pas. Les filles bantées, c'est reconnu depuis toujours. C'est les filles qui ont le, c'est les filles qui ont le sang chaud. C'est les filles qui ont le sang chaud. Il n'y a pas. Moi, si, regardez-moi. Ça dit que j'ai envie de m'énerver. Je n'ai même pas la force. Mais j'ai envie de m'énerver. De me lever pour que vous me voyez. Une femme comme moi, je vais être un tchinda de quelle femme? Je vais être un tchinda de quelle femme? Une femme qui pisse comme moi, je pisse, je vais être un tchinda. Ya! Yeah! Borosangi! Borosangi! Tu as mangé! La fille Chang t'avait attachée. Tu as brouté l'herbe pendant 4 ans. Tu as brouté l'herbe où la fille Chang t'avait attachée. Tu as brouté l'herbe pendant 4 ans. Elle a lâché la corde. Tu t'es pavané comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église lors d'une prière. Tu t'es retrouvé chez la fille, ça dit qu'elle. Chez la fille que tu as insultée ici au Binzongoula le 25 novembre. Vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Parce que moi, je ne sais pas ce qui peut arriver à une femme au point qu'elle perde son estime. Hey, maman, même un homme qui m'aime bien ne me parle pas fort. Sors! Sors de chez moi. Va m'attendre chez toi. Même un homme qui m'aime bien ne me parle pas fort. Jésus n'était pas marié. Le mariage n'est pas. Le mariage n'est pas fait. Ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas un passage sur la Bible, dans la Bible où Jésus qui était le plus bon. Était marié. Donc rien ne me dit que je suis convalescente. Rien ne m'oblige à me marier. I will not take any bullshit manque de respect. Je ne prends pas le manque de respect d'un homme. À plus forte raison d'une femme comme moi. Toutes ces filles qui m'ont côtoyé, Flo me connaît bien, Lolo me connaît bien. Elles connaissent mon caractère. Moi, je suis comme le vol. Quand je commence, je n'arrête pas. Je ne peux pas être une china d'une femme. Parce que vous savez quoi? Je n'attends rien de personne. Je ne suis pas le genre de fille que quand j'ai une amie, j'attends quoi que ce soit d'elle. No. I am the prêtre. I am the prêtre. Et l'amitié, je le dépose quand ça m'enchante. Parce que personne n'est tributaire de mon bonheur. Personne n'est tributaire. La seule chose qui est tributaire de mon bonheur, c'est l'argent. La seule chose qui est tributaire de mon bonheur, c'est l'argent. Parce que quand tu as l'argent, les personnes fouillent. Que quelqu'un ne vous manque pas. Quand tu as l'argent, tu es bien. Quand tu regardes ton compte, tu vois les chiffres. Tu es bien. Ou quoi de moment, c'est bon que quand j'ai la flemme ici, je prends les enfants là direct. Resto! Je m'assois. On mange là-bas et paye 40, 50 euros. Je reviens les deux. Je les fais manger. Je paye 50 euros. Ils me lèvent et viennent. Ils les lavent et mettent au lit. S'il n'y avait pas l'argent là, mais ça, il devait courir pour venir casser quoi, ici pour savoir ce qu'il va manger. Le prix de la. Ça dit que la paix de l'argent n'a pas de nom en français. C'est la seule chose qui me fait que je dors. Et quand moi j'ai besoin d'argent, même l'homme qui est à côté de moi, si tu peux me donner, on va avoir des problèmes. Hein. Je suis comme ça. Me bats à Zongou là. Je ne me cache pas et ne fais pas semblant. À l'heure, si à mon âge, c'est que moi, la vie m'a donné, la vie m'a béni en me donnant mes deux garçons. Donc tout ce que je dois faire là, c'est bien vivre, bien baiser, bien dormir. Quand je pense qu'il faut que je parte le week-end là-bas, prends mes enfants, je pars. Personne ne peut plus compromettre ce bonheur-là. J'ai goûté au vrai bonheur. J'ai goûté au véritable bonheur, mes chers frères et sœurs. Que je pense, vous savez ce qu'elle va aller faire. Là, tout à l'heure, je vais aller à la banque.
Je vais aller débloquer un petit compte d'épargne pour sortir 2 500 € dedans. L'argent du chirurgien. Parce que ce montant-là, il n'y a pas ça. Je ne laisse pas ça sur mon compte courant. J'ai remis le chèque au chirurgien. Je vais aller débloquer à ma banque. J'ai rendez-vous là. Je vais aller, ils vont ouvrir, ils vont sortir les 2 500 du chirurgien. Ils vont mettre sur le compte courant. Son chèque, dès que c'est bon, je l'appelle, je dis présente ton chèque. Il présente son chèque, ça passe. Aujourd'hui, je vais commencer à être triste. Je commence à être triste. Pourquoi? Maëlle est malade? Non. Je me couche la nuit quand elle dort dans mon lit. J'écarte mes pieds comme ça. Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Menengu manginga. Qu'est-ce qui peut perturber mon bonheur? Qu'est-ce qui peut perturber mon bonheur, moi? Mes placements sont en train de générer les avantages. Je suis en train d'avoir mes projets de mon achat dans pas longtemps. Et qui vous a dit que le bonheur est facile? Le bonheur est facile, oh! Le bonheur est facile. Le bonheur, là, c'est à côté de ton nez. C'est toi-même qui constitue ta paisibilité, la paix de cœur, ton bonheur. C'est toi-même qui constitue. Ça dit que moi, je frustre les hommes. Moi, je frustre les hommes. Parce que je montre un homme que tu es là-haut. Tu n'es pas là-haut. Est-ce que quoi me faire? Est-ce que moi j'ai des problèmes? Yamou me dit que tu es égoïste. Il me dit que tu es une femme très égoïste. Maman, prends-le comme tu veux. Quand il me dit ça, il dit c'est ça quand quelqu'un n'arrive pas à te manipuler. Il m'a dit que tu es une femme très égoïste. Je lui ai dit c'est ce qui arrive quand un homme n'arrive pas à manipuler une femme. Quand vous trouvez les femmes fortes, vous les traitez d'égoïstes. Mais ce que vous ne comprenez pas, mes chers, c'est que c'est parce que j'ai trouvé mon équilibre. J'ai un équilibre imperturbable. C'est-à-dire que mon équilibre, je l'ai trouvé. Et il est imperturbable. Et c'est pour ça que je ne souffre de l'absence de personne. Mes enfants et moi, on vit le grand amour. On profite. Vous voyez une femme qui a les saines jusqu'au temps. Qui peut témoigner que Maëlle Dalloy dort? Elle ne dort pas. Elle ne dort pas la nuit. Elle est malheureuse. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un s'acharne sur la vie de quelqu'un? Vraiment. Toi, ma soeur qui me suis, regarde ton programme. Le direct que j'ai fait là, ça m'a empêché de lancer ma machine à repasser. Pour vous dire la perte de temps qui consiste à faire le direct. J'aurais bien voulu faire le direct, ce direct, pour parler de mon intervention. Pour donner, pour sauver, pour redonner confiance à plusieurs soeurs. Ça m'embête parce que ce direct, je serais en train de parler de mon intervention. Pour aider quelques femmes qui ont besoin de perdre de poids. Pour retrouver cette confiance, ce bonheur que j'ai retrouvé en moi. Mais hélas, je le perds pour répondre à une femme irresponsable et une femme indigne. J'ai lancé le direct. Ça m'a empêché. Je suis rentrée de l'hôpital. J'ai tout enlevé, tous les draps qu'il y avait sur le lit. J'ai quand même fait 5 jours à la maison. À l'hôpital, on a fait 5 jours à la maison, il n'y a personne. J'ai enlevé pour mettre... Il va falloir laver, il faut repasser. Je ne serais pas en train de faire ce direct. Je serais en train de m'occuper de mon linge. Vous voyez, quand je vous dis que les directs, c'est un perdant. C'est un perdant. Moi, Facebook ne me donne pas l'argent. Et n'ai jamais eu l'intention de gagner ma vie par Facebook. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour me dire qu'ils veulent administrer ma page. Je leur ai dit que je ne suis pas venu sur Facebook me faire de l'argent. Je suis pas venu me faire de l'argent. J'aurais bien voulu être là en train de rassurer mes soeurs qui un jour ont pensé à faire une sleeve gastrique
et qui ont eu peur. J'aurais voulu être là à vous rassurer qu'il n'y a aucune crainte à se faire. C'est tant que vous le faites en France, c'est une intervention qui est bien contrôlée. En France, la médecine ne prend pas le risque. Puis encore, mon médecin ne prend pas de risque. J'aurais bien voulu être là à rassurer ces sœurs-là. Mais je suis là à parler d'une femme que le monde entier peut témoigner qu'elle a des vrais problèmes psychiques. Des vrais problèmes psychologiques. Parce que vous n'allez pas me dire que Dieu peut créer une femme et il finit, il prend les poches, il ajoute ici, il prend les poches, il ajoute ici. Les poches n'existent pas dans la création de Dieu. Dieu n'a pas prévu que les femmes aient ce genre de poches. Les poches, c'est le manque de sommeil. C'est dû au manque de sommeil. Maïloulou, Maïloulou, mets le manteau, chérie, et les baskets, on va partir. Maël, 5 jours, Maël ne m'a pas vu. Maël, hier, yeah. J'ai récupéré Jani à 13h30, à 11h30. Maël, 5 jours qu'il ne m'a pas vu là. Il a fait les caprices ce matin, il a dit qu'il n'est pas à l'école. Donc, je suis à la maison avec. Mets le manteau, chérie, et les baskets, on va sortir. Mets les manteaux, le manteau et les chaussures, on sort, tu me demandes pas, on va sortir pour faire quoi? Tu es resté à la maison, tu n'étais pas dans mon programme, j'ai mes courses à faire. Les scènes que je vous dise de quoi Maïda Loi souffre aujourd'hui. Les scènes sur le visage de cette femme, c'est dû au manque de sommeil. C'est dû au manque de sommeil. Vous-même chez vous, passez 21 nuits sans dormir et regardez ce qui va apparaître sur votre visage. Maïda Loi, je ne te dois rien, je ne te connais pas. Je ne t'en veux pas. Je sais que tu souffres. Jeannot, je suis prêt. Ben, j'ai pas fini, tu attends. Le problème, c'est que il a cru que c'était la grande détente. Je m'en ai déposé son frère, je reviens et le vois qui s'est installé dans mon lit avec ma télécommande. J'ai dit, éteins rapidement. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas aller sur la télé, il a commencé à me dire qu'il s'ennuie, il veut repartir à l'école. Donc, je vais le déposer à l'école à 13h30. Quand les enfants qui mangent là, je vais le déposer au retour du goûter. Donc, les scènes sur le visage de Maïda Loi, c'est le manque de sommeil. Ma chère sœur, ma chère compatriote, je ne t'en veux pas. Je sais que tu es triste parce que fais l'effort d'aller faire venir un homme du Cameroun. Le ramener jusqu'au Canada. Vous avez travaillé toutes les formes de relief. Les montagnes hauts, les rivières hauts, le fleuve haut. Tout, tu as parcouru tout le relief avec cet homme jusqu'au Canada avec espoir d'en construire une vie de famille et que malheureusement il n'a pas pu se supporter de se réveiller tous les matins et voir une tête comme celle-là. Non seulement la tête elle est grosse et en plus de ça les scènes sont posées jusqu'ici. Moi je n'en veux pas ce garçon. Voilà. Moi, je défends souvent les profiteurs, mais sur le coup, je ne peux pas défendre je ne peux pas en vouloir à ce gars. Parce qu'il est aussi l'enfant de quelqu'un. Moi, je suis l'enfant, la maman des garçons. Pensons aussi aux mamans qui ont accouché leurs garçons. Qui veut se réveiller tous les matins et voir ça? Moi, je défends les profiteurs. Je dénonce les profiteurs. Mais sur le coup, cet homme-là, je ne veux pas le dénoncer. Parce qu'il est difficile de te réveiller le matin et de voir une si grosse tête avec des scènes si profondes couchées à côté de toi. Vous avez vu la vidéo où Nadège, je ne vais pas. Maë, viens danser avec moi. Viens, maman. Viens, mon chéri d'amour. Vous avez vu la vidéo où Nadège, je ne vais pas.
Allez, oh, tu tiens les chaussures, tu peux monter ici. A posté sur sa page. Tu es au bal avec, avec ton mari. Ouais. Place-toi comme ça, maman. Viens. Place-toi comme ça. Elle est au bal avec le mari. Danse, maman. Fais comme si tu danses. Non, le mari n'a pas, il n'a pas accepté d'attraper les mains. Hein. Danse comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église. Danse. La tête. Danse toujours, Marilou, comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église. Qui cherche où il va partir, rentrer. Voilà. Le mari, la tête est comme ça. Quand elle va approcher la tête, le gars fait comme ça. Danse, chouimbo. Danse toujours, mamie. Mon bébé danse comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église. Qui ne sait pas dans quel corps il va rentrer. Danse toujours, c'est comme ça. Le mauvais esprit, quand on le chasse, il ne sait pas par où il va rentrer. Le mari est comme ça. Quand elle va un peu approcher le mari recule. Elle aussi devant, elle tourne. C'est bon, maman, merci mon garçon. C'est comme ça qu'elle était là. Quand elle va approcher le tel... Elle va approcher la tête, le gars fait... On dirait qu'il y a une décomposition de gaz carbonique dans sa bouche. Quand tu es avec un homme, l'amour, c'est dans le toucher. On palpe. L'amour, on palpe, maman. Quand un homme t'aime, il te touche, il te mord. Vous savez, vous connaissez les signes d'amour. Je vais vous donner les signes qui vous prouvent que votre homme est amoureux de vous. Regarde, il a toujours tendance à vouloir mettre la tête ici. Il a toujours tendance à vouloir cacher la tête dans votre... Là, il est toujours en train de vous mordier. Il est tactile. Il vous touche. Il a tout envie de vous embrasser. Voilà l'amour. Bisse, tu es amour, Bangui, maman. Bisse, tu es amour, Bangui. Tu as vu comme Maëlle dansait ici, non? C'est comme ça que tu dansais. Comme Maëlle dansait ici devant moi, là. C'est comme ça que tu dansais. Tu dansais comme un mauvais esprit. Avec le... Attendez, je n'ai pas bien imité. Ah, maman, après on va partir aussi chez l'ophtalmolo pour aller récupérer mes lunettes. Elle était devant comme ça. Elle était devant. Est-ce qu'elle peut avoir ça même? Je sors même les vraies lunettes pour mettre. Elle était devant comme ça. Les gens vont faire, mes points de suture vont s'ouvrir. Le monsieur, hein, ça dit que même quand si elle s'est baissée comme ça, même quand si elle s'est baissée comme ça, les fesses là ne pouvaient pas toucher le monsieur derrière. Les fesses ne pouvaient pas toucher le monsieur derrière. Le monsieur a mis une distance. Quand un couple est amoureux, vous le savez. Moi, quand je suis avec Yamou, hé Yamou, d'abord il veut montrer que Naï Getam. Il veut d'abord montrer que I'm here. This is my place. Il veut d'abord, quand un homme est amoureux de toi, quand tu avais lui, il veut d'abord montrer à tout le monde que c'est ma part. Ouais. Un peu. Parfois, tu sais, moi je ne suis pas trop tactile, je suis une villageoise, il ne faut pas croire. Hein. Mais Yamou me frustre souvent quand on sort. J'aime pas moi, je ne suis pas quelqu'un de tactile. Je suis sauvage, vous voyez. Je suis le genre de femme qui est, j'ai le sang chaud. Donc j'ai un caractère. Je ne connais pas le tempérament là. Je ne connais... je n'ai pas un tempérament. Donc je ne suis pas une femme câline. Allez, maman. Oui, j'arrive chérie. Mais quand je sors, il m'étouffe. Il m'étouffe. Donc, je comprends ta frustration. Que tu aies espéré, tu t'es dit, oui, bon, pareil que vous prenez l'Afrique comme ça fait rien. Vous prenez l'Afrique comme ça fait rien. N'importe vieille femme qui a tapé poteau ici, elle pense que comme elle vient de l'Europe, elle va aller en Afrique, elle va prendre un bel homme et ramener en Europe. Ton mari a de la taille, il a du carru, c'est pas faux. Moi, je ne veux pas insulter ton mari. Pour moi, ton mari, c'est un bel homme. C'est pas moi, je suis une femme qui aime les hommes baraqués, grands de taille.
Pour moi, ton mari est un bel homme. Mais maman, quand tu es un bel homme, il faut faire le. You have to match. You have to match. On opère les... Chose-toi, chérie, tu prends mon sac à main. On opère les scènes. On opère les scènes, maman. Si tu ne sais pas, on opère les scènes. Viens, je t'amène chez mon médecin. Il va coller les scènes là. Quand tu es un bel homme, une femme, il faut faire la hauteur. Il faut faire la hauteur. Ton mari, c'est un bel homme. C'est un homme qui est bien debout. Mais il faut faire la balance. Quand j'ai commencé à prendre le poids, j'ai vu que je n'étais plus balancée. Je connais Yamou, il n'a pas dragué une femme avec les grosses fesses. Il a dragué une femme fine. Une femme doit pouvoir s'asseoir, croiser ses pieds tranquillement. Quand j'ai commencé à avoir du mal à cause des cuisses, c'est où j'ai commencé à me dire non, il ne faut pas te mentir dans la vie. Aucun homme ne va vouloir être avec une laide femme pendant qu'il y a les belles femmes dehors. Une femme doit prendre soin d'elle. Même pour garder, pour maintenir le mariage. Regardez les blanches. Elle fait 5 enfants, elle est comme ça. Vous partez les enfants, des gens vous épousent, vous êtes belles. Vous partez grossir dans la maison, vous parlez qu'elles sont obligées. Ils sont obligés de vous garder. Ils ne sont pas obligés de vous garder. Ils ne sont pas obligés de vous garder. Donc tu crois que au lieu de dormir, au lieu de faire un travail sur toi, si tu as besoin de passer par une cure, par un psy, fais un travail pour retrouver ta beauté naturelle. Tu continues à t'enfoncer, tu te transformes en sorcière de Facebook, à insulter tout le monde et les enfants des gens en longueur de journée. Et tu crois que cet homme va rester à tes côtés. Il a trouvé une belle fille guinéenne, Paul, avec la peau bien lisse, les cheveux. Tu dis que la fille se filme et met sur Facebook. Tu crois que c'est toutes les filles c'est toutes les femmes qui sont des vulgaires femmes à s'exposer en longueur de journée sur Facebook. Non! Ce que moi je fais, si il y a des femmes que tu donnes même 1 million d'euros, elles ne feront pas. Because they want to keep their private life. Il y a des femmes que même si on donne le... Tu crois que c'est quelque chose de bien? Jusqu'à tu dis que qu'elle filme la photo, elle vient mettre. Ce n'est pas quelque chose de bien. Donc, la dépression que vous faites en longueur de journée, parce que c'est les femmes dépressives qui crient en longueur de journée sur Facebook. Toutes les femmes ne le font pas. Eh bien, elles sont bien chez elles. Elles finissent de faire leur ménage. Elles font à manger pour leur mari. Elles s'asseyent dans leur canapé. Elles mettent la télé. Elles vous écoutent, vous exposez. Vous humiliez sur Facebook. Tu crois qu'être sur Facebook, c'est un palmarès? Il y a des jeunes femmes qui sont sur Facebook, qui font des séminaires, qui conseillent. Des clasheuses comme ça. Vous, être clasheuse, tu penses que c'est quelque chose de bien? Jusqu'à ton seul défi, c'est que la fille fait la photo avec le mari et vient mettre. Mais non, ce n'est pas sa tasse de thé. Elle a autre chose à cirer. Si comme il s'est dit qu'elle a 2 enfants, elle a fait 2 enfants au monsieur, elle a les enfants à s'occuper. C'est une forme de dépression, Facebook. Hein? Que tu es là, moi quand Yamou, vous connaissez, je vous ai dit, Yamou en ce moment, sa mère a fait une grosse dépression. Il est le plus souvent avec sa maman. Mais quand Yamou est ici, vous l'entendez parler. Même quand je ne veux pas qu'il... Je suis en train de faire un live. Il va au moins me demander quelque chose. Vous allez entendre qu'il m'a demandé. Vous allez entendre sa voix qui m'a demandé quelque chose. Et en plus de ça, Yamou a de chez lui. Yamou vit à 1 rue de chez moi. Mais quand il est là, vous entendez, il parle. Même s'il ne me parle pas, il va parler aux enfants. Depuis Ndje Koko, tu faisais le direct. Tu fais les directs des heures et des heures. On n'a jamais entendu ton mari te dire que chérie, viens me couler un thé. Viens me couler un café. Voici une qui va me tuer. Voici une qui va me tuer. Il y a Kemako qui dit, quand j'ai dit à mon mari que j'ai pris du poids, je maigris, il me dit, dis donc, je t'aime comme ça.
Il croyait que je n'ai pas vu son jeu. Merci. Merci. Ma, ne nous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas embobiner par ces hommes-là. Un homme a besoin d'une femme que quand elle s'habille le ventre bien, elle s'habille bien, il marche avec. Les hommes ont besoin d'une femme, des femmes élégantes. Élégantes. Que quand il part, il fait plaisir, il te prend un joli ensemble, soit comme ça, tu viens, tu enfiles sur toi, ça rentre piouk. Les hommes aiment ça. Merci Charlie Florentine Bahia. Toutes les femmes ne s'appellent pas Marie. Exactement. Il y a les filles, les femmes qui veulent préserver leur vie. Il y a les femmes qui veulent préserver leur vie. Donc ne crois pas que tu vas venir parler sur Facebook et tu crois que c'est un palmarès. Si et seulement si tu avais des gens qui pouvaient te dire la vérité, ils te diraient que tu t'humilies. Plus tu te bats à démontrer que le monsieur est là, tu en longueur de journée, pourtant que tu l'aurais seulement parlé. Si moi, Yamou est là, je vais vous faire quoi? Savoir que Yamou est là. Je lui demande, chérie, tu veux un thé? Tu veux un café? Tu demandes juste, il est là, tu es à la maison avec ton mari. Pourquoi tu vas te battre à essayer de faire... Ça s'est très bien passé, Eliane. Pourquoi tu vas te battre dans les directs à essayer de faire croire que ton mari n'est pas parti? Pourtant que tu peux seulement lui demander, étant en live, « Coucou, tu veux que je te fasse un café, chérie? Et Amou, tu veux un café? » Il va répondre. Ou lui-même, il va venir te demander. Mais tu es toujours en train de te battre en longueur de journée pour démontrer que l'homme est dans la maison. Moi-même, je peux snapper Yamou qui a couché ou même pas couché assis, je veux le montrer. Et même, c'est parce que tu t'es mis dans la tête que ton accomplissement de vie se limitait à être marié. Mais le mariage, ce n'est pas... Si le mariage était un accomplissement de vie, il ne devrait pas exister des divorces. S'il existe des divorces, ça veut dire que le mariage, ce n'est pas un accomplissement de vie. Si c'est pour prendre n'importe quel clochard là et se marier avec... Maman. Oui, mon bébé. On y va là, ça ne manque. Tu vas venir ou pas? Oui, chérie, viens prendre le sac à main. Tu regardes, il y a toutes mes cartes dedans. Le sac à main, il est là, en dessous de la couette que j'ai enlevée sur le lit là. Oui, je sais, je fais mes affaires. Bonjour, Ferry Flon. Donc, tu vas là, tu veux te battre, tu essaies de démontrer que... Oui, je suis de retour depuis hier. La bonne nouvelle, je suis passée de 84 kilos à 78 kilos ce matin. Donc, je pèse 78 kilos sur la pesée d'aujourd'hui. La première pesée a été aujourd'hui, ce matin, 78 kilos. Arrêtez un peu. Tu vas insulter Elan. Tu vostifais les âneries. Oh, quand elle dépose les enfants à l'école, elle vend le piment. Mais si je vends le piment, c'est mon piment, non? C'est dans ma maison, non? C'est dans ma maison, non? Qu'est-ce qui peut te déranger à ça? Qu'est-ce qui peut te déranger? Qu'est-ce qui peut te déranger? Mais il faut avoir quand même une vie triste pour t'occuper de la vie des gens. Tu as pris le lot, tu insultes. Tu prends rêve, tu insultes. Tu prends ceci, tu flores. Il y a qui que tu n'as pas clashé? Les mêmes gens avec qui tu as clashé. Les vous comme ça, on tue facilement. Les vous comme ça, c'est les gens à vous qu'on met le salam salam rapidement. Moi, pour m'atteindre, il va être... Il faut se lever tôt. Toi, tu insultes quelqu'un hier, tu viens manger avec. Les vous ont tué comme les poux. Viens prendre le sac, chérie, s'il y a toutes les cartes, on part. Les vous comme ça ont tué comme les poux. Michouchou, comment je fais le régime, maman? N'est-ce pas, je suis allée boire le thé à la clinique là-bas, je vous ai montré que je fais le bois. J'ai le courage de faire le régime. Je n'ai pas le courage de faire le régime. J'ai fait une salive gastrique. Mamou. C'est les vous comme ça. Les vous comme ça, mère Daloa, on vous tue facilement.
venez de, vous avez insulté, toi tu as insulté Compresso jusqu'à insulter les fesses de sa mère. Tu as dit comme quoi elle vendait le piment avec tout ce que vous savez coller aux gens. C'est la vente de piment. Vous, une comme moi, vous ne connaissez pas ma vie. Parce que vous savez, je n'ai jamais voulu m'approcher d'aucune de ces filles-là. À part celle, je vous ai dit, Flore, je la connais avant Facebook. Lolo, je la connais avant Facebook. Nadège Mbappa, je la connais avant Facebook. Le reste, c'est bon. Tout le reste là. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver à Paris, va m'appeler comme moi. Je suis d'abord une mère d'enfant. Est-ce que vous avez les enfants à bas âge comme moi? On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. C'est pour ça, cette raison, je ne m'affiche pas avec eux. Donc, quand, vu qu'elles ne te connaissent pas, elles n'ont rien, elles ne me connaissent pas, elles n'ont rien à dire sur moi, la seule chose qu'elles peuvent dire, elles vendent le piment. C'est du grand classique. Ça, c'est du grand classique. En plus, vous ne pouvez rien dire sur ma vie. Moi-même, ma vie, je viens la raconter ici. Moi-même, ma vie, je casse moi-même mes propres papos. Je vous ai raconté l'histoire avec chaque parent de mon enfant. Donc, il y a quoi de secret policier? Vous avez vu qu'on n'a rien à dire. Moi, je ne suis pas une fille qui a honte de mon passé. Mon passé ne me fait pas honte. Je le raconte pour édifier. Maman, tu n'as pas pris le sac à main. Tu prends, tu regardes, il y a le bloc jaune des cartes bleues. Voilà le sac à main de là. Le bloc jaune des cartes. Oui, tu regardes, il y a toutes les cartes. S'il y a la bleue, la dorée, oui. Ta carte vert postale. Voilà. S'il y a tout ça, on va partir. Hein? Voilà, je l'ai trouvé. Donne-moi le truc qui est dedans, Dodo, qui m'a donné hier. Donne-moi, maman, le truc vert. Ça, c'est elle qui m'a prêté. Elle ne m'a pas prêté, elle m'a donné. Parce que vous, les enfants d'ici, vous ne connaissez pas donner, prêter. Elle m'a donné. Donner pour toute la vie. Hein? Oui, donner. C'est ça le mot donner. Je ne sais pas si on ne vous apprend pas à donner. Donner à vous, c'est comme fin du monde. Ouais, t'as prêté. J'ai dit, oui, chérie. Tu sais que, en fait, la Faisselle, elle m'a appris que donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Oui, oui. C'est parce que si on donne quelque chose à quelqu'un et qu'on le reprend, on ne peut pas le reprendre. Oui, c'est ça, Dodo m'a donné. Arrangez quand même tes cheveux avant de venir en live. Je te bloque parce que tu ne... J'aime pas les gens qui viennent faire ces réflexions-là. Bloqué. Vous êtes sûr que vous... Tu es sûr que tu as le nombre de perruques que moi j'ai? Oui. Arrangez tes cheveux. Donc ce que je suis en train de parler là, c'est ce que tu veux... C'est ça qui vient... Tu viens me dire, arrangez tes cheveux. Tu es sûr que tu peux avoir le nombre de perruques que j'ai? Je vais en venir ranger, mais je vais vous prouver quoi? Je viens vous prouver quoi? Hein? Qu'on arrange tes cheveux. Vous pensez que moi je vis le rêve? Ma soeur ne m'a pas prêté, elle m'a donné. Broker, je l'ai trouvé. Tu as trouvé tout? Oui. Et là, regarde ça, le chéquier. Regarde le chéquier. Ah, j'ai vidé. Regarde ça, le chéquier. Ok. Bon, on va partir. Prends le sac à moi, on va partir. Voilà, j'ai. En fait, elle était là. Et après, je l'ai refait tes cheveux. Tu es sûr que tu as les perruques que j'ai ici? Je vais venir vous prouver quoi? Je vais me faire voir par les qui ici. Donc, si je vais venir séduire, je cherche où je vais séduire là. C'est sur Facebook que je vais venir séduire les faux profils. Quoique derrière ces faux profils, il y a des personnalités. Mais bon, j'en ai rien à foutre. Mais c'est quoi ces remarques à la con là? Donc, je disais, mais dans la loi, que je comprends tes souffrances. Tu allais prendre un homme au Cameroun. C'est bon. Oui, donne-moi encore 5 minutes, mon garçon. Ok. Prends goûter à la cuisine. En attendant, oui. Je peux faire ce que j'ai à faire. Voilà. Tu es allé prendre un homme au Cameroun, tu es rentré en France, tu as traversé tout le relief. Il est allé te laisser au Canada pour faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Normalement, quand tu as un choc comme ça, tu dois te remettre en question. La remise en question est très importante dans la vie de tout un chacun. Je vous dis ça ici tous les jours. Il faut savoir prendre du recul et se faire une auto-prospection, introspection. Qu'est-ce que
j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai failli? Voilà les questions qu'il faut se poser dans sa vie de tous les jours. Même après une rupture, il faut savoir si c'est pas de, la, le mal ne vient pas de vous. La faute ne vient pas de vous. Au lieu de faire ça, tu viens te transformer en sorcière potentielle sur nous, sur Facebook. Tu prends mes enfants, tu mets, tu insultes. Ma chérie, tu veux qu'elle te donne le secret? Tu veux qu'elle te donne le secret? Attends, elle te donner comment une femme jouit. Mais elle ne vient pas ici, hein? Fais le goûter à la cuisine, non pas, chérie. Reine mère d'Aloi, mère coincée, comme le père est parti là, trouve-toi ça. Trouve-toi cette belle petite rose là. Mère d'Aloi, comme le père est parti et que tu veux devenir une sorcière sur Facebook, trouve-toi cette belle jolie rose-ci. Ça va te faire du bien. Trouve-toi cette jolie rose. Ça va te faire du bien. Les femmes coincées des années 30 là, on n'est plus à cette époque-ci. Je préfère prendre ça, la petite rose, jolie rose-ci là. Et puis je finis de jouer bien. Maintenant je monte sur mes grands chevaux pour imposer le respect vis-à-vis d'un homme. Parce qu'il y en a qui sont obligés de subir n'importe quoi. Maman! Bon, il a fermé la porte, il ne m'écoute pas. Il y a les filles qui sont obligées de subir n'importe quoi parce qu'elles veulent un coup de manzizi. Elles subissent le manque de respect des hommes au nom d'un coup de manzizi. Ça, c'est mieux que le manzizi. Tu as vu la reine Médalo? Attends, je vais te montrer des villageoises choses comme ça. Des mboutinga comme ça. Des sorcières. Elles ne jouissent pas, elles viennent se transformer en sorcières sur nous, sur Facebook. Attends, j'arrive sur toi. Mère d'Aloi, je cherche même, je ne vois pas. Cherche-toi ça. La jolie rose-ci. Maman. Maman. Où est Samandaï? Où est Samandaï? Regarde, les jouissances vont commencer. Ça va jusqu'à tes cheveux. Quand tu vas finir là, tu vas t'habiller bien. Charismatique, un homme ne va pas te parler. Tiens, écoute le bruit. Voilà. Les filles, les vieilles femmes coincées, vous pensez qu'avec vos vieilles fesses rassies, bien positives, vous allez retenir les hommes. Les femmes coincées comme ça. Tu es venu te transformer en une sorcière sur Facebook, à insulter tout le monde. Personne ne t'échappe. Regarde, il peut te prêter. Envoie-moi ton adresse, je t'envoie. J'en ai jusqu'à deux. Je t'envoie ça, mère d'Aloi. Je t'envoie ça. Il est en panne ou quoi? Il fonctionne toujours? Voilà.
J'ai dit que si tu envoie-moi ton adresse. Je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Tu vas libérer la vie des gens sur Facebook. Écoute, coucou. Hé, Allah Wakuba. Tu écoutes le bruit? Tu écoutes? Tu viens te transformer en sorcière sur nous sur Facebook. Parce que tu n'arrives pas à avoir d'orgasme. C'est mon problème. C'est mon problème. C'est mon problème. Tu es là, tu subis. Tu te bats sur Facebook à prouver que l'homme est dans la maison. Maman, va faire le goûter, j'ai pas fini. Quoi? Va faire le goûter à la cuisine, tu fermes la porte, j'ai pas fini. La porte de la cuisine. Tu as goûté avec quoi? T'as vu, il y a des nouveaux goûters que j'ai pris. Avec des petits sachets. Tu goûtes ça, c'est très bon. Gianni a goûté. Ferme la porte de la cuisine. Oui. Tu fermes la porte de la cuisine. T'as vu le grand jus que tu aimes là? Ferme, je vais entendre cogner. Cogne la porte et puis... La porte de la salle de la chambre. Voilà. Chérie, tu es là à te battre au quotidien pour dire que tu arrives à avoir un coup sort. Pourtant que ma, si tu avais ça, si tu avais ça, ma, ça dit que la position de maman, tu t'as mise, attendez, hein, et l'heure interdit quand il y a les enfants dans la maison. Sinon, tu vas crier comme ça, les enfants vont courir pour venir voir que ce qui t'arrive. Oui, oui, oui. Les enfants, ça dit que c'est quand tu les envoies à l'école, tu finis ton ménage que tu... Que tu finis ton ménage. C'est où tu te poses. Ma, quand tu bois les... Quand tu finis, quelqu'un t'appelle au téléphone. Tu dis, oui, tu m'appelles pourquoi? Oui, il y a quoi? Oh, je suis fatiguée là, je te rappelle. Maman, tu te dis qu'il va te fatiguer. Les choses pleines de maux de cœur. Plein de douleurs cardiaques. Anti-douleurs cardiaques. Nami Adigifuna. Voilà le secret. La rose de la gloire glorieuse. La rose de la gloire glorieuse. Anti-douleurs cardiaques. Anti-chagrin. Mounaouaou. Madaloua va te chercher un anti-douleur cardiaque. Ça va t'apaiser, ça détend. Ça va te donner le temps de profiter de tes enfants, avec tes enfants. Tu passes ton temps à te battre en perpétuité sur Facebook avec les gens. Pourtant qu'à ce moment, tu pourrais faire un saut en voiture. Vous-même, vous conduisez. Si moi, je conduisais tous les après-midi, j'ai cicatrisé là maintenant. Là. Il faut que je m'en vais. L'auto est comme elle a programmé les heures de conduite fatiguée. Chaque fois, j'annule. Il faut que je m'en aille conduire. Je prends ma belle petite voiture avec ma musique et mes deux enfants derrière. Quoi me faire? Remets-toi en question. Tu vas venir insulter Lolo Foda. Tu vas dire à Lolo, tu as vu Lolo, c'est une belle femme. Un des perdus, 10 t'es retrouvé. Maëlle a son père, Gianni, elle n'est pas pour là. Et si je décide encore, je fais un pan, je mets. J'ai mon argent, si je vois que je grossis, je recoupe. C'est mon corps, non? Pourquoi vous pleurez la vie des gens? Que tu vas insulter une fille parce qu'elle a quitté une relation. Quelle relation? Même quand les gens divorcent, on ne se moque pas d'eux. Tu t'es transformé en sorcière sur Facebook à cause d'un manquement de jouissance. Manquement de jouissance. Les femmes coincées. On dirait les mauvais esprits. Décoincez-vous. La dignité d'une personne ne doit pas être enfreinté parce que
quelqu'un te donne un coup, un buisson, gang. Oui. Vous savez quoi? Hein? On va faire le direct demain après qu'elle les ait déposés à l'école. Parce que les gars, si la bouche, les gars que j'ai. Tu as mon sac. Pas ton sac, tu prends le mien. Et les billets que tu fais tomber partout, là, c'est lesquels? Laisse ton sac, tu pars pas avec ton sac, tu repars à l'école cet après-midi. Quoi? Est-ce que la banque n'est pas fermée même? Tu veux manger les pâtes à la crème que tu as mangées hier soir? Hein? Non. Pas juste des pâtes et c'est tout. Hein? Des pâtes et c'est tout. Mais comme tu as mangé hier soir, non? Parce que je pense que la banque va être fermée. Maïlou, on a trop traîné, la banque est fermée. Je vais te déposer à l'école tout à l'heure et après j'irai. Viens, va prendre ta douche, Maïlou. Maël, il est là devant la porte. Hein. Maïloulou. Maïloulou. Viens, tu prends ta douche. Tu t'habilles, je te fais manger et je te laisse à l'école. Bah, on a trop traîné, la banque est fermée. Il est midi 12. Elle va ouvrir qu'à 14 heures, je crois. Mais quand même, s'il te plaît. Non, il n'y a pas s'il te plaît. Tu veux retourner à l'école ou pas? Oui. Bah, il faut prendre ta douche. Douche? Bah oui, tu prends une douche, tu t'habilles normalement. Là, tu es en pyjama, là. Ok. Tu prends la douche, tu t'habilles normalement et puis je te fais manger, je te retourne à l'école. Ok. Mais ça, le direct, là, on va seulement reporter. Hein. On fera ça un autre jour. Le gars s'est levé aujourd'hui, comme ça faisait 5 jours qu'il ne m'a pas vu. Il m'a dit, oh, je ne vais pas partir à l'école. J'ai mal au ventre. J'ai dit, ok, reste. Je reviens que le gars s'est installé ici avec ma télécommande. J'ai dit, allez, log là, éteins la télé. Comme il a compris qu'il n'allait pas rester, passer la journée sur la télé, il m'a dit, oh, je m'ennuie, j'ai plus mal au ventre, je vais retourner à l'école. Donc, j'ai appelé l'école. On m'a dit que je peux le ramener à 13h30. Donc, j'ai traîné trop. J'attends. Je vais une fois le faire manger. Je le ramène à l'école. Et après, j'attends la réouverture de la banque. Sur ce, mes soeurs, je veux vous faire un direct, je crois, demain. Parce que regardez, j'ai le bordel ici. Entre le linge que je dois laver, regardez, il y a le linge partout sur les portes. Il faut que je remette d'abord mon appartement en état. Et je vais vous faire un direct pour vous parler de mon intervention. Et vous montrer les différents points de suture. Voilà. Maël, ne mouille pas ma salle de bain. Je l'ai lavée ce matin. Maël? Ouvre l'eau avec moins de pression pour ne pas mouiller ma salle de bain. Je l'ai lavée ce matin. Maman, j'ai le repassage. Si elle connaissait quelqu'un qui peut venir faire même 5 heures de repassage, voilà, je devais payer. Je peux même quelqu'un qui peut me faire 5 heures de repassage. Parce que je ne suis même pas sûre que j'ai le droit de repasser avec mes trucs là. Quoique je ne sens plus de douleur. Mais si je pouvais trouver quelqu'un qui va venir me faire 5 heures de repassage, voilà, j'allais prendre. J'allais prendre pour me reposer un peu. J'aime pas le désordre. Il y a le linge ici à repasser. Et j'en ai encore à laver. Bon, mes chers soeurs, je vous laisse. Je vous referai un direct. Un direct d'adulte. Sur ce. Ah, dans le bon coin. À l'époque, j'avais je vais regarder un peu, je vous jure. Si je peux trouver ça, ça va me rendre service pour... Il faut que je remets... En plus, ma petite soeur a couché. Voilà, Cynthia Guerou, oui. Parce que le mouvement... Et pour finir le linge que j'ai, il me faut au moins... on va dire, si elle veut tout faire le linge, là, il me faut au moins même 4 heures de repassage. Et vendredi, je ne suis pas là. Vendredi, je me lève. Ma petite soeur a couché. Vendredi, je me lève, je pars... Déposer les enfants là à l'école, je m'en vais à Château Rouge, faire les courses et je les récupère à midi et à midi 30. On part dans le 78 chez ma soeur. On va rester là-bas jusqu'à dimanche. Et il faut que je parte en laissant mon appartement propre. Comme ça, quand je reviens,
Je reviens le trouver propre. Bon, je vais essayer de chercher sur le bon coin. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. On se revoit très bientôt.